Bon Julien, l'entraînement de ce matin s'est bien passé? Oui, plutôt bien passé. Voilà, avec, on a travaillé sur le jeu d'Agen et on a fait nos touches ce matin collectivement. Plutôt bien passé. Hein. Donc victoire contre Bourguin, une bonne manière de se remettre dans les rails? Ouais, se remettre dans les rails après la défaite à Dax, oui, mais après voilà, il y a encore pas mal de choses à travailler. On l'a vu sur le match de Bourguin qui a été difficile. C'était plutôt accrocheur, donc oui, ça leur met sur le moral. Maintenant, il faut aller à Agen avec beaucoup d'envie. Quoi. Une mêlée conquérante qui a permis l'expulsion d'un joueur adverse, un secteur que vous avez bien travaillé? Ouais, bien travaillé. Après, comme je dis, les week-ends se suivent, ça ne ressemble pas. Donc voilà, Dax, on a été plutôt bien sur 60 minutes. Et Bourguin, on a réussi à faire le forcing là-dessus parce que voilà, c'était un secteur où on avait été pris là-bas. Donc c'est plutôt bien passé. C'est sûr que quand après on les met à la faute et ils ont un joueur en moins pour la suite, c'est plus facile. Quoi. Choc contre Agen ce dimanche, n'est-il pas un véritable quart de finale pour la course au demi à domicile? Quart de finale, je ne sais pas. Maintenant, on sait que si on veut une demi-finale à la maison, il faudra faire un coup à l'extérieur. Donc voilà, on va aller à Agen sans pression et pour aller chercher une victoire là-bas de toute façon. Cette équipe d'Agen, justement, est vaincue à domicile cette saison. Quelles vont être les clés d'une possible victoire à Armandie? Les clés de la victoire sera déjà d'être discipliné. Parce que si on n'est pas discipliné contre une équipe comme ça, ce sera très difficile avec le buteur qu'ils ont. Et après, voilà, faut qu'on ait nos ballons en conquête sur le secteur de mêlée et de touche. Et c'est sûr que si nous, on peut les embêter un peu sur les leurs et les priver de munitions, ce sera plus difficile pour eux. Bah, c'est une équipe qui relance beaucoup le jeu. On l'a vu contre la Fassane, ils aiment ça. Ils ont des joueurs qui aiment tripoter le ballon, comme on dit. Donc, il faudra être très sérieux sur nos ballons à nous, pas les perdre. Et voilà, si on peut les priver à des munitions, ce sera trop mieux.